plus de 14 avocats présents. Donc nous avons le quorum pour prendre des décisions qu'il faut prendre ce matin. La deuxième chose, quand l'incident s'était produit, je n'étais pas en Haïti. Ceux qui étaient en charge au niveau du conseil, suivant les rapports que j'ai eus, ils ont fait un travail formidable, un travail fantastique. Pendant mon absence, certaines autorités m'avaient contacté via mon WhatsApp. Et à mon retour, je me suis fait le devoir d'aller rencontrer ces autorités et mon propos a été d'expliquer la gravité de la situation, qu'on doit tout faire avant la tenue de l'Assemblée générale, parce que après l'Assemblée générale, c'est fini, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, ce qui aura été décidé sera exécuté. J'ai rencontré le ministre de la Justice. Donc mon propos a été de dire au ministre que la situation elle est grave, qu'on doit faire quelque chose. Mais nous avons observé que rien n'a été fait. J'ai rencontré les autorités de la police. Je leur ai expliqué que nous devons faire quelque chose. Rien n'a été fait. Mercredi, nous étions à la première convocation de l'Assemblée générale. Après cette convocation, j'ai reçu un appel du président de la République. Par courtoisie, le conseil a été rencontrer le chef de l'État au Palais national. Nous étions à peu près 8 ou 10 du conseil. Et arrivé au palais, notre propos a été le suivant. Nous avons dit au président, monsieur le président, vous avez 48 heures pour régler cette situation. Le président a compris. Et nous avons expliqué au président, au point où nous en sommes, la tête du commissaire du gouvernement, personne ne peut la sauver. Nous avons aussi expliqué au président, nous avons expliqué aussi au président, les policiers fautifs, leur place se trouve derrière les barreaux. Le conseil de l'ordre a fait, nous avons, comme on dit en droit, avant d'engager une procédure contentieuse, il faut user des voies amiables. Pour nous, les démarches institutionnelles ont été les voies amiables. Aujourd'hui, la guerre va commencer. Le premier point. Départ du commissaire du gouvernement, Maître Flamé Ephraim Damaeus. Adopté. À partir d'aujourd'hui, Ephraim n'est plus commissaire pour nous. Deuxième point. Arrestation des policiers Wagner Thomas, Polo Yvenel, Matador Jimmy et du directeur départemental de l'Ouest, Berson Sanjo. Adopté. Merci, j'ai mis. Ok. Troisième point. Par rapport, mes chers amis, votre attention, s'il vous plaît. Votre attention. Ce que je vais dire, c'est très important. En prévision de l'Assemblée générale, hier, j'ai convoqué une réunion extraordinaire de la FBH. C'était pour solliciter la solidarité des autres barreaux de la République. Nous pouvons compter sur les autres barreaux de la République dans cette lutte. Maintenant, nous allons nous réunir pour savoir quoi demander à ces barreaux. Mais nous avons déjà ce soutien. Je dois effectuer un déplacement
un court déplacement. Je devais me déplacer pour un mois, mais je vais me déplacer pour 10 jours au vu de la gravité de la crise. Au moment de mon déplacement, je vais alerter la CIB, l'Union internationale des avocats. Je demande l'accord du barreau de Port-au-Prince pour que nous adhérons à l'Observatoire des avocats en danger. Donc, à partir de la semaine prochaine, nous aurons le monde avec nous. Mais, naturellement, comme on dit, nous allons procéder par degrés. Nous allons commencer avec des étapes. Nous resterons d'abord au niveau national. Et si rapidement les autorités ne comprennent pas qu'ils ne peuvent rien faire, à ce moment, nous allons solliciter le soutien de l'international. Mais ce que les gens doivent comprendre, pour Oknam Kwame Dameus, c'est fini. Pour les policiers, ils iront en prison. Tout le monde doit le comprendre. Maintenant, le dernier point à l'ordre du jour. Pour le dernier point à l'ordre du jour, il s'agit de l'arrêt des prestations judiciaires. Et là, parce que n'oublie pas que l'avocat, il offre trois services. Il offre des services de consultation lorsqu'il est dans son cabinet, de représentation lorsqu'il comparaît devant l'administration ou devant les autorités seul, sans son client, ou d'assistance avec son client. Jusqu'ici, on a eu un arrêt des prestations. Maintenant, je consulte l'Assemblée pour savoir est-ce qu'il n'y aura pas de représentation et d'assistance. Maintenant, c'est à l'Assemblée de se prononcer. Mais moi, il faut expliquer, Batonier, parce que vous ne pas trop. Non, non, je reprends. Je vais bien reprendre pour que vous compreniez bien. Ok. Ok, attendez. Ok, maman prenez bien. J'ai expliqué que le travail de l'avocat a trois composantes. Est-ce que vous êtes d'accord pour que nous continuions à recevoir les clients dans nos cabinets? Oui, ça on peut le faire. Ok. Le faire. Il y a pas de d'accord. D'accord, très bien. Est-ce que vous êtes d'accord pour que nous continuions à nous rendre par devers les tribunaux non. pour représenter ou assister les clients? Donc, nous observons ce arrêt. Il est muté jusqu'à la résolution. Jusqu'au déboulement de Oknam. C'est fini. Donc, à présent, l'arrestation des policiers et le départ de Oknam. C'est fini. Donc, à partir d'aujourd'hui, le Conseil est mobilisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Très important. Certains confrères viennent de me le suggérer. À partir d'aujourd'hui, parce que j'ai bien compris que nous sommes victimes de provocations et de persécutions. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui arrive à un avocat sera imputable à la police. Cependant, comme nous sommes des virbonus, j'invite les avocats à continuer à faire preuve de sagesse, de respect et de civilité vis-à-vis de tout le monde. Ouais. Ok, sur ce, je mets un terme à l'Assemblée générale qui est suspendue. Ça, je dois bien préciser. L'Assemblée générale est suspendue. Et je peux consulter les avocats à n'importe quel moment, c'est-à-dire le Conseil. Et nous demandé pour que la communauté, et spécialement la jeunesse haïtienne, pour que nous révoltions par rapport à ce qui s'est passé dans la société. Parce que nous-mêmes, nous sommes garants et avenir pays ça. Si nous-mêmes, qui c'est pratiquement bois vert, des agents de la police a torturé nous, a bousculé nous, a frappé nous dans le visage nous, et pour ces paysans, et pour ces malheureux qui vivent Côte de Fer, qui vivent la Chapelle, c'est encore plus grave. Pour ces malheureux qui vivent gris-gris, je demande à chaque monde qui a gardé là, dans le ministère, pour que nous considérions ça que fait là comme un affront. Non seulement pour nous-mêmes jeunesse là, pour avocats et même pour la corporation d'avocats. Et je pense que c'est très grave également
pour un commissaire du gouvernement qui déclarait tête li incompétent, je dis, on ne va pas parler de lui encore parce que lui pas existé, lui déclarait tête li incompétent et puis l'a demandé avocat pour que lui tende. Et moi te saisi tende que au CNAM clamé d'Améus, t'es besoin tende dans quatre dossiers que les personnes sont jouent et puis crasé dans paquet. Je dis au CNAM, il était délégué un juge de paix pour devenir tandem déjà. C'est parce que le crétin qui fait le pas connaît que les juge de paix tandem au monde, il dressait procès verbal. Li, qui donc, c'est seulement un juge qui a décidé sous cas, moun sa, l'attendel, soit non correctionnel, soit non assise criminelle, avec assistance jury ou sans assistance jury. Oknam pa gen pou tande personne moun. Et jodi a Oknam c'est du passé et n'a demandé seulement communauté nationale et internationale là pour porter soutien yo à nous-mêmes parce que n'a subi des menaces. Et avant tout nous voulons féliciter barreau de Port-au-Prince avec tout l'autre barreau qui dans 18 juridictions dans pays a parce que depuis l'incident qui a été produit a été porté solidarité avec nous. Et ceci jusqu'à aujourd'hui, nous sommes capables de constater à partir de l'Assemblée Générale que nous avons fait dans le barreau de Port-au-Prince. Donc, nous sommes là, nous sommes présents et que nous avons une décision définitive qui prend par rapport avec l'avenir Oknam dans la tête parquet de Port-au-Prince. Et ceci, et arrestation et policiers qui étaient impliqués dans bastonné, moi-même ensemble avec M. Réginald Février, à savoir le 4 octobre 2018. Ensuite, dans le lundi 9 octobre, nous avons deux BOA qui ne pas comprendre ce qui s'est passé. Nous qui étaient tentés même d'assassiner, on confie en nous. Donc, nous avons demandé toute population, nous avons attiré l'opinion publique sur un point qui est très important. Nous voulons nous connaître que nous autres avocats, nous n'avons pas de problème avec l'institution en soi. Nous n'avons pas de problème avec l'institution qui est la police là. Je dirais le 4 octobre, tu as gagné deux policiers du côté de Gérald Bataille, à savoir Wagner Thomas, Ibnel Polo, ensemble avec le chef de poste, commissariat Delma 33, qui te fait nous passer tout mauvais moment en dans le commissariat Delma 33. Et nous avons rappelé, si ce n'est pas vigilance, tout confrère, tout consoeur, barreau de Port-au-Prince, 18, les autres 17 juridictions de la République, moi-même ensemble avec M. Jerry Pejon, nous ne pas privé de libération. Qui donc, confrère, consoeur, yo fait solidarité jusqu'à ce que matin, l'Assemblée générale, là, à l'unanimité, arrive à un vote de censure avec ancien commissaire, Oknam Clamé d'Améus, ensemble. Et nous avons demandé à tous les confrères, tous les consoeurs, pour nous dire que la bataille n'est pas finie parce que l'applicabilité de la résolution, il faut que nous forçons toute institution qui est là pour la résolution appliquée dans toute sa forme et teneur, prend responsabilité. De ça, nous-mêmes, magistrats, nous allons réaliser et pendant 3 jours dans Port-au-Prince, qui c'est le premier congrès national des maires et des mairesses d'Haïti, 29, 30, 31 octobre, Cap Vinilam, le dit lundi, mardi et mercredi prochain, dans une ambiance assez détendue, mais avec beaucoup de caractère, pour capable défendre l'intérêt collectivité là, et faire en sorte que la constitution, j'en étais programmé, organisation, l'État, qui a accès à la centralisation, nous fera pour tout. Pour nous dire nous-mêmes maires de la République, nous-mêmes casés, délégués de ville et élus locaux, accompagnés de tout acteur, tout partenaire que nous entendons dans l'effectif de centralisation. Et c'est un combat patriotique qu'on est en train de mener et vraiment au prix du sang et du sacrifice. Depuis 1987, l'État haïtien a l'autre mode d'organisation qui constitution été programmé à travers le vote référendaire du 29 mars. L'accès sur l'industrialisation, ça veut dire que transfert de moyens de compétences à collectivité. Malheureusement, nous voyons qu'il y a une hésitation politique et depuis 30 ans qui pour rendre effective l'industrialisation et ça fait que communio, section communale, eh bien, a pas vraiment marché très mal. On dit ce fonctionnement continu, chronique au niveau de section communale, au niveau de communio, eh bien, Anessa, nous avons décidé d'instituer dans l'espace municipal haïtien, dans l'espace politique
politique haïtien, un événement annuel qui est le congrès des maires et des maires d'Haïti pour nous poser problème avec partenaires, avec l'État, avec le Parlement, avec le pouvoir judiciaire là, poser problème dans une dynamique de dialogue, hein, vraiment de dialogue, pas de confrontation, mais de dialogue pour nous dire que commune, eh bien, ils veulent autonomie, commune, ils veulent que dans le budget de l'État, il y a l'argent qu'il y a, comme nous voulons participer au développement du pays, j'ai été programmé en 87 là, c'est pour ça que nous allons faire 3 jours de travail ça, pour aboutir à un bagage qui est totalement nouveau dans l'espace là, c'est le manifeste de la décentralisation en Haïti. Objectif congrès ça, c'est arriver d'autres pays à un document qui est le manifeste de la décentralisation d'Haïti, où les maires de la République vont exprimer leur foi dans ce secteur qui représente l'avenir d'Haïti. Le manifeste ça, qui ça nous pense le bal gagnant dans ça cap de salle. C'est que nous sommes fait 10 ateliers départementaux avec 10 associations départementales que nous remercions président Nio, Jules Senatus, Ulrich qui t'a coordonné pour nous et tout spécialiste qui t'a allé dans le département yo, avec nous pour nous organiser yo, avec communauté maire AZK, AZK de la ville et bien service de conseil de l'État qui dans le département yo. Et bien nous réaliser tout atelier ça, on est capable d'assurer une appropriation par les départements de l'initiative là, et que ça parle dans le document, c'est expression, ça nous collecte, ça nous ramasser dans tout département. Point de vue délégué de ville, point de vue AZEC, point de vue KAZEC, point de vue magistrat, point de vue délégation départementale, point de vue vice-délégation, point de vue société civile là, point de vue secteur privé là, sous comment nous avons vu des réalisations. Ça va être un acte politique majeur où les acteurs et partenaires de la décentralisation en Haïti vont exprimer leur foi et demander au pouvoir exécutif de lâcher du lest et de travailler de commun accord avec les collectivités pour que la décentralisation devienne effective au bénéfice de la République. Parce que, comme toujours dit, il faut déconstruire ce mythe, le mythe porto-princien, parce que l'État ici, je dis, il y a l'argent pour récupérer zone ça. Il faut gagner et on renvoie aux collectivités, aux autres parties du territoire, pour assurer qu'il y ait une république inclusive et que les communes, les sections communales puissent aussi contribuer au même titre que les ministères au développement de la République. Mais est-ce que ça veut dire que effectivement, nous avons 3 jours congrès, nous avons sous-gardé dans le mardi, il y a une conscience thématique qui est assez importante pour nous, c'est le financement du développement local. Et l'intervenant principal sera l'ancien président de la République, Jocelyn Privert, qui se passe de présentation dans ce secteur-là, par ses écrits, par ses prises de position, par son passé, et qui parlera maintenant les différents outils et dispositifs de financement du développement local, et notre maire national, Wilson Jeudi, qui parle-nous comment, lorsque l'argent ou collecté dans la commune ou investi pour les services, ça permet aux citoyens de gagner plus confiance et assurer un développement harmonieux, une meilleure image de fonction municipale. Là. Et mobilisation fiscale, là, je parle là, c'est et on sujet, c'est les défis de la mobilisation fiscale et des communes, et perspective d'élargissement de l'assiette fiscale communale, la section communale, est-ce que le département est capable de gagner des ressources propres? Et pour nous faire bagarre ça, c'est on expert qui passe la présentation dans le pays, c'est André Lafontaine-Joseph du GRID qui va intervenir à ce niveau-là, et l'ancien directeur général de la DGI, l'ancien maire de Dabar, Jean-François Théodate, qui va le faire. Et je dis à gagner taxes communales, DGI collecté pour nous, où on fait 4 mois, 5 mois, 6 mois, pas jamais vivre sur contenu. Je dis à 60% du territoire, moins que 10% de monde paye impôt locatif et sur tout pays, on me dit, or DGI a gardé ça, pas gagné aucune mesure de redressement qui prend. Le territorial là, c'est une problématique majeure pour le pays aujourd'hui. Et magistrat, il y a une pile commune qui est arrivée dans une situation de conflit ouvert, très malheureusement, et finalement, assuré coûte que coûte jouer le rôle de médiateur pour faciliter un apaisement. Mais ça qui fait un peu de sujet, c'est pour nous dire, magistrat, que compétence délimitation, c'est une compétence municipale, locale, c'est une compétence centrale. Ça veut dire que c'est ça la loi dit qu'il faut appliquer.
faut que le rafraîchissement lisière soit fait, faut que les frontières soient définies dans le texte, eh bien, soient respectées. Et ça fait, nous prenons un monde qui est dans le domaine là, qui c'est Jules Senatus, qui c'est Madame Oyol, Michel Oyol, secrétaire exécutif du comité interministériel d'aménagement du territoire, eh bien, qui va parler de ça. Et obligation finalement faite à communio pour respecter justement des limitations que la loi tracée pour chaque partie du territoire. Et ce n'est pas chaque maïsa qui vous décider côté territoire, comment ça va le fini. Il n'y a pas comme ça. Mais moi, je porte une parole qui libère, même si cette parole peut faire mal, même si c'est à mes collègues, mais je la porte tout de même comme président de la fédération. Ce n'est pas aux maires de définir les limites de leur territoire, de leur commune, c'est à l'État central. Et cette limite, cette délimitation doit se faire effectivement en concertation. Et une fois votée, eh bien, cette décision est opposable aux maires de toutes les communes de la République. Donc, nous mettons comme sujet d'envergure, sujet privilégié d'entrée de jeu depuis première journée et lundi à la séance thématique là pour nous garder sur l'aménagement du territoire, délimitation de coupage territorial là et faire recommandation justement à magistrats à l'État central pour éviter qu'il y ait un conflit sur le territoire là entre les dirigeants locaux, entre les maires, entre les CASEC effectivement. Fédération nationale magistrat haïtien yo, FENAM, a organisé dans Port-au-Prince, dans le local centre convention BRH là, premier congrès magistrat yo sorti 29 pour arriver 31 octobre 2018 sous thème entre en route développement local intégré. Pour congrès ça rentrer nan problème qu'a ravagé pays a, association départementale magistrat yo réalisé yo chaque yon atelier départemental côté Elio, toute organisation importante dans le département, yo, Chita brasse l'idée et puis bay solution sur au moins yon nan plus gros problème processus de centralisation et développement local là gagné. Dans le département nord, sous l'obédience, association magistrat nord, yo, Azek, magistrat délégué ville, représentant l'État central, représentant organisation dans la société civile, Chita Palais, jeudi 23 octobre 2018, là, sous thème gestion IBEN, gestion risque et désastre dans le département nord. En pile, après en pile, brasser l'idée, mais qui résolution qui sortit. L'aime considérer le territoire pays d'Haïti avec une plus fragile, plus dangereux chaque jour plus pour la vie et bien citoyenne et citoyen lio. L'aime considérer responsabilité chaque grand haïtien dans des constombrés, fragilisés, dévaloriser territoire pays d'Haïti à cause mauvais agissement nous sur la natie tant pour couper pied bois devant derrière, jeter fatra dans la rue, couper mangrove, détruire corail et la trier. Sans compter phénomène naturel qui a traversé l'humanité dans le moment ça yo, tant pour phénomène climatique yo. L'aim considérer responsabilité, autorité locale, acteurs locaux yo, nan protéger, gérer et puis développer territoire yo pour créer conditions pour moun vivre plus bien. Et puis sans qu'elle saute tout partout dans le pays, ya, et spécialement dans toute commune département nord. Nous prenons engagement pour identifier les zones risquées, niveau vulnérabilité. Nous prenons engagement pour informer la population de qualité malais qui pendait sous tête, yo, mais tout pour nous former quatre techniques, yo, tant pour l'idée, yo, boss maçon, yo, autorité locale. Yo. 3. Nous prenons engagement pour préparer les outils de communication sous forme image, tant pour panneau en couleur pour identifier dans chaque habitation, chaque section et puis chaque quartier dans le bouclier, tout malaise si la rue. 4. Nous prenons engagement pour nous prendre un arrêté communal sous zone monde qui a construit ou pas. Et puis, yon l'autre sous autorisation pour moun bâti, et puis travail avec autorité la justice, la police, et puis ministère travaux publics pour appliquer. Yo. Nous prenons engagement pour faire mitigation et prévention, pour faire mitigation tant pour rebrasement, conservation sol et protection belge. Nous prenons engagement pour nous préparer dans chaque commune un plan d'urgence pour avant, pendant et après. Nous prenons bataille dans le cadre de FENAM pour forcer
l'État a renforcé la capacité de collectivité territoriale, dans les ressources techniques, les besoins, et puis dans toutes les ressources financières, il a mobilisé la CAIO, dans l'État, il prêté la banque et la trier. Travail avec le secteur privé pour mettre en place une politique de production logement qui garantit ni d'après côté yo fait, gens yo aménagé ak bâti yo. Mobiliser technicien pour accompagner mairie dans analyser qualité terre pour construction, qualité matériaux pour construction. Mobiliser technicien pour accompagner commune dans département nord et nord-ouest, et spécialement dans Pilat, Plaisance, Boy, pour évaluer kay ki fan yo, di ki sa ki pou fèt ak yo, et puis accompagner moun nan reconstruction. Mobiliser technicien ak équipement yo pour aider collectivité nan kire et puis endiguer rivière yo pour protéger ville nan département contre inondation. Toute résolution sa yo pral continuer approfondi nan Congrès national là et puis y a servi élément k'ap permettre magistrat yo sorti manifeste sous décentralisation l'État. Cap haïtien département nord moun ki siye c'est association magistrat. Si la population haïtienne a plus de 11 millions d'habitants aujourd'hui, la diaspora compte pour plus de 1,8 million à travers le monde, particulièrement aux États-Unis, en France et au Chili. Et le constat est que le processus de migration est devenu au XXIe siècle l'une des grandes préoccupations mondiales. Haïti n'en fait pas exception. D'où l'importance du MAV, dont l'idée a germé dans la structure administrative haïtienne depuis les années 70 pour se concrétiser en 1994. C'est un ensemble de considérations qui traduisent notre message au nouveau directeur général qui doit prendre fonction en ce moment. Il s'agit pour nous de lui faire comprendre l'ampleur de la mission qu'il attend à cette direction générale. Il est évident que la ministre Marnata Irène Ternier, notre amie, notre sœur, qui accomplit déjà un travail louable à la tête de ce ministère, saura vous offrir la collaboration indispensable. Ça, je vous le garantis. Mon cher Yvan Bonhomme, dans la réussite de cette mission, soyez assuré de sa totale, totale collaboration. Au-delà de tout cela, Monsieur Bonhomme, nous vous connaissons en tant qu'un vieux de la vieille, quelqu'un qui connaît bien l'administration publique, pour y avoir travaillé depuis déjà plus d'une dizaine d'années, malgré votre jeune âge, paraît-il. Ce pour dire que vous avez blanchi sur le harnais, et que pour vous, il n'y a aucune inquiétude à avoir quant à la compétence et le sens du devoir qui animeront toutes vos actions à la tête de la direction générale de ce ministère. Mon cher Yvon, vous êtes en ce moment investi dans vos fonctions. Je vous en prie. Vous êtes désormais... Levez-vous, je vous dis que vous êtes le nouveau directeur général du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Succès continu, je vous souhaite. Faudrait-il vous rappeler que cette institution a été hissée au rang de ministère en 1994 grâce aux efforts conjugués du gouvernement de l'époque et sur la demande incessante de nos compatriotes vivant à l'étranger. Je mesure la responsabilité qui m'est confiée, conformément aux attributions de cette institution, combien importante au niveau de l'administration centrale de l'État. Ainsi, je m'engage solennellement
En tant que directeur général, avec l'aide de la ministre, les directeurs centraux et les différents cadres du ministère d'œuvrer à l'accomplissement des efforts qui ont été déjà consentis par mes prédécesseurs et d'innover par la création de nouveaux mécanismes conformément à la déclaration de la politique générale du gouvernement. Il est important de souligner combien qu'il est essentiel de mentionner la participation, la partition jouée par nos compatriotes vivant à l'extérieur. Ils ont reparti en effet dans plusieurs pays et le nombre ne cesse d'accroître. Leur rôle dans le développement économique et social est indispensable. À titre d'exemple, leur rapport dans l'économie est évalué à plus de 2 milliards de dollars. En effet, la mise en place sur les rails du développement de ce pays est strictement liée à la contribution de nos frères et sœurs de l'extérieur. En outre, le président de la République et le gouvernement se sont engagés à favoriser l'intégration pleine et entière de nos compatriotes de l'extérieur. Je répète, à qui veut l'entendre, que le développement de ce pays sera possible lorsque tout un chacun comprendra le rôle et l'apport de notre communauté vivant à l'extérieur. Permettez-moi prendre cet engagement solennel de concert avec Madame la Ministre afin d'œuvrer pour l'intégration et l'implication active de tous nos compatriotes de l'extérieur. Avant de terminer, je voudrais également présenter un remerciement spécial à la directrice générale sortante, Madame Yolette Mégual, qui a fait un travail remarquable au sein de cette institution. Compatriotes, femmes, garçons, Cap Vive, petit pays, Cap Vive, que Zantra y a mangé, d'aide au pays. Compatriotes qui sont obligés de quitter le pays pour raison quelconque. Je ne veux dire, il y en a dit. Ils vont bonhomme avec ministre, avec ministre, non. N'a poté énergie panne, contribution panne, pour nous joindre Jean Vision, président gouvernement d'île, pour nous longer, mais à l'ouest comme un compatriote, nous y que ce soit ça qui n'a anti-Bahamas, ça qui n'a côté que nous sommes capables en Amérique du Sud, ça qui n'a Mexique, ça qui surtout en Afrique, ça qui en République Dominicaine, un peu partout, avec ministre là, Jean Vision, président République là, d'île, et Jean aussi, feuille de route gouvernement d'île, eh bien, n'a privé son nom. Mesdames, messieurs les cadres du ministère, je fais appel d'ores et déjà à votre indispensable pour l'acquittement de ma tâche. Mesdames, messieurs, je vous remercie. Nous finissons passé 6 mois. Et c'est la date que nous avons dans la quasi première tranche du mandat que nous avons. C'était 6 mois que nous avons en première tranche. Et dans 6 mois, nous avons fait à peu près 50-60% de travail là. Et parce que l'État généraux, c'est forum de délégués qui a sorti dans 10 départements, qui a sorti dans la diaspora, Amérique du Nord, Europe, Afrique et Caraïbes, qui a venu pendant 1-2-3 semaines pour discuter et éléments en pacte et de gouvernabilité. Alors, nous avons le pacte pour la réforme institutionnelle et le progrès économique et social. Donc, question, c'était qui est-ce qui a participé et qui a délégué
et sous qui critère. Donc, critère que nous avons choisi, c'est que ces groupes organisés, donc, et dans chaque secteur, il y a trois grands secteurs que nous identifiés ou qui dans la loi, qui dans le décret 2005 qui organise la fonction publique là. C'est secteur politique, secteur économique et secteur socioculturel. Et dans trois secteurs, nous prenons tout groupe organisé et nous faisons à peu près une trentaine de rencontres et à chaque rencontre, nous gagnons 8, 9, 10 secteurs et associations ou plateformes qui sont représentées. Et donc c'est le groupe SAO et une rencontre préparatoire qui est des rencontres très discrètes. Et c'est là que nous discutons des méthodologies et nous faisons un plan de travail avec le groupe. Et Konya nous parle de CRIO pour être capable de voyer documents de cahiers de doléances, de propositions et d'engagement. Donc ça c'est pour le groupe organisé et nous quasiment finir toute rencontre. Et nous avons un forum que nous organisons au niveau département pour nous être capables de désigner des délégués au niveau commune, au niveau section communale. Et forum SAO, nous avons fait 5 déjà. Nous avons fait Nord-Ouest, nous avons fait Nord-Est, nous avons fait Sud-Est, NIP, et puis il était nous 5. L'autre, Sud, Grand-Danse. Et centre, Artibonite et l'Ouest. Donc, et puis, bon, il y a un forum et on a fait une diaspora, nous avons 5 forums. Nous avons, pour les États-Unis, nous avons 2 sites, Miami et puis New York. Et Canada, nous avons un site, c'est Montréal, mais qui a réuni toute communauté diaspora qui est dans le Canada. Et puis, on a réuni diaspora qui est en Europe, qui est en Afrique, c'est Paris. Donc, c'est ça. Donc, on demande, donc, même à, depuis juillet, dès qu'il y a une programmation qui était débordée septembre. Donc, ils font demande et le comité de pilotage là, avec le secrétaire technique là, fait réitérer les demandes là. Donc, bon, avec question dernier événement, ça a continué à ralentir, mais sinon, on attend une prolongation pour nous capable de continuer l'activité. Donc, c'est 28 mars au 28 septembre. 28 septembre, ouais. Est-ce que vous continuez à travailler, même qui est là, vous voyez peut-être une prolongation de travail? Et là, bon, là, nous avons rencontré certainement des fêtes avec entre le comité de pilotage là, et le secrétaire technique et puis le président, parce que c'est le président qui est convoqué à Genève, et parce qu'il estimait qu'on conseille les problèmes que nous traînons depuis l'indépendance. Que ce soit instabilité politique, donc c'est depuis 1804, en fait depuis 1806, avec scission PIA, plus les guerres civiles et les coups d'État, et ou des insurrections, émeutes, donc une instabilité qui l'a traîné. Donc c'est un problème à un moment donné qui nuit à la France Justère, il faut que citoyens réfléchissent sur ça et proposer des solutions et prendre des engagements. Et au niveau économique, nous voyons que bon appauvrissement société. Hein, et ça, c'est tout secteur qui doit mobiliser pour ça. Donc, il n'y a pas qu'à prendre une décision comme ça par un simple décret. Donc, c'est société là pour qu'on ait comment il y a le travail, comment il y a organisé l'entreprise, yo, et qui règle, les règles qui existent, yo, libre entreprise, concurrence et honnêteté dans la production. Et dans la vente, dans le produit, est-ce qu'il y a respecté avec ça ou pas? Donc, ça, c'est des engagements que la société a besoin. Et au niveau social, nous avons appauvrissement, même gain en conséquence, c'est que nous avons une ambiance de souffle qui peut. C'est comme si nous avons mis dans de l'eau, puis touché dans la tente, chacun a essayé de dégager tête pour colle. Avec tout dérive que ça gagne là-dedans. Donc, et ça, encore, c'est la société qui est pour réfléchir, pour connaître qui orientation à prendre. Institutionnellement, le Parlement là pour contrôler. Action gouvernement. Parlement pas là pour mélanger avec gouvernement. C'est comme si m'a dit que Parlement s'est passé sous tout président qui est impliqué dans la question Petro-Caribéa, sous tout ministre qui est impliqué dans la question Petro-Caribéa, sous tout gouvernement qui est impliqué dans sa premier ministre et autres. C'est comme si m'a dit que Parlement était d'accord
marée saucisse li avec Mounsao. C'est ça que fait journée aujourd'hui, hein, pense que avec question Petro-Caribe a qui éclaté, peuple a mandé pour yo trancher question ça. Peuple a mandé puisque dernier recours c'est la justice, faut la justice prononcer. C'est vrai que Sénat a un rapport sous gestion fonds Petro-Caribéa que moi-même en tant que parlementaire m'estime que rapport a gain faille pas. Mais son début d'analyse qui pourrait permettre que yo initier procès Petro-Caribéa parce que c'est important. L'important. Pour que ça me dit rapport Sénat et gain faille parce que l'on a analysé en tant que scientifique, en tant que homme avisé, objectivement, ou est que il gain force côté. Il gain force côté parce que il pas couvri vraiment toute période que fond Petro-Caribéo était décaissé. Et ou garder dans partialité à bon série de monde que peuple la connaît qui était impliqué à fond dans dépenser l'argent Petro-Caribe ça non yo pas la donne. Donc il revient à dire comme c'est trois pouvoirs gain initialement dans démocratie gain trois pouvoirs, pouvoir législatif là pour faire la loi, pouvoir exécutif là pour exécuter la loi et pouvoir judiciaire dernier recours pour garder si la loi pas exécutée pour mettre nèg en bas code. Moi pense que dernier recours nous journée aujourd'hui dans question et Petro-Caribéa c'est la justice qui pour faire travail. La justice qui pour faire travail la prend rapport préliminaire ça malgré faiblesse rapport pour garder qui ça gagne la donne, qui ça t'es pour faire, qui ça pas fait. La avancer pour louer qui genre par exemple même parlement victime dans bagaille Petro-Caribe ça parce que si mémoire m'a pas fait défaut bon 30 millions qui ont été décaissés pour commencer reconstruction du parlement mais rendez-moi fou sage n'a le camper devant parlement même mon pied bon peut-être pose première pierre là n'a pas pierre à te camper là même rien pour sortir en bataille. Et gon l'argent décaissé bay yon firme avec complicité de certaines personnes que jusqu'à présent rien beaucoup fait qu'on y a la feuel gat qui est qui responsable, qui est qui complice, qui est qui doit répondre devant la justice dans question construction parlement, que ce soit des firmes ou bien firmes qui étaient responsables construction, que ce soit parlementaires qui impliqués dans dilapidation l'argent, que ce soit officiel gouvernement qui est impliqué là-dedans, même parce que il y a un pile monde qui peut répondre de problème ça. De même pour tout reste l'argent Petro-Caribe. Fait pellicule, on pas de chance comme des fêtes, mais Mario qui a fait la première, j'ai chance de venir visiter comme pouvoir législatif, comme député qui fait partie 50e là, et moi-même encouragé dans gens de l'initiative ça parce que dans le pays a nous besoin de travail durable, de ça qui a utile société et de ça qui permet que nous aller vers le développement. Et dans le moment ça, je me sens que je suis satisfait. Et l'aime pour explication à mes techniciens, ingénieurs qui ben et haïtiens qui là, moi que travail barrage Marion, c'est un phénomène. Et là, je tiens à encore encourager les gens de l'initiative Zaro, encourager le président de la République, là, son excellent Jovenel Moïse, pour permettre que lui doter le pays d'Haïti de grands projets Zaro. Port-au-Prince, 26 octobre 2018. À l'occasion du 8e congrès Fédération des ouvriers syndiqués force, jeudi, nous réunis dans une situation critique pays a trouvé le jour aujourd'hui, dans le combat organisation syndicale a mené depuis belle lurette pour état des droits respecté dans le pays, pour un travail. Et pour la sécurité sociale dans le pays, nous trouvons que dans la Fédération des ouvriers syndiqués force, la situation vient plus chaotique. Depuis plus de 20 ans, nous avons prôné
pour ta gagner justice sociale dans le pays a, jusqu'à cette minute depuis 86 pas jamais gagné un gouvernement qui prend en main revendication ouvrier ou, revendication population haïtienne. À tel fin aujourd'hui a nous arrivons dans une situation critique côté que aujourd'hui a malgré Fédération des ouvriers syndiqués par voie démocratique a organisé 8e congrès pour élire un nouveau secrétariat pour 3 ans dans tête Fédération des ouvriers syndiqués. Mais situation tellement alarmante pour ouvriers paysans, ouvriers factories et petits machins dans tout le pays, il n'y a pas qu'à vivre aujourd'hui. Et revendication Fédération ouvriers syndiqués a toujours été et n'a pas lutté, n'a pas demandé avec tout secteur dans la vie nationale là pour yon pote coller, pour nous arriver à faire l'État prend responsabilité pour créer bon gens condition la vie pour moun vivre dans le pays. Dans le 8e congrès force à faire, vraiment de tout monde, tout groupe qui fait partie des syndicats de Diakaboumé pour changement, pour libération, en bonne et due forme pour le pays à aller sur notre ligne droite. Parce que sous l'île a franchi aujourd'hui, c'est un bagaille qui n'a pas d'explication pour lui. Et en même temps, tout, nous invitons toute l'autre entité, force qui a boumé pour changement, yo. Pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous faire un seul faisceau, pour nous revendiquer droit ouvrier, yo, droit petit machin dans la rue, droit tout. N'ap salye kouraj pep haïtien. N'ap salye kouraj détermination gouvernement Moïse Seyan nan voye kek signal clair ki ma konnen ak engagement li te pran pou l fè limye fèt sou dossier Petro-Caribe ya. Nan renforse système judiciaire. Tankou. Encadrement yo commencé bay ak juge cap instruit dossier pour la justice qui arrive mette main sous tout complice à coupable qui gagote l'argent Petro-Caribe. L'argent qui était là pour faire développement dans le pays. Pour nous jouer l'argent ça, nous connaissons l'hip-hop facile avec force fenoyau, leader traditionnel qui prend devant pour casser bataille peuple là mais influencer yo manipuler yo pour mener peuple là nan craser briser nan faire déchoucage nan bien privé moun ak bien public là n'a dit yo c'est bien compté mal calculé n'a dit yo aujourd'hui à nous même les appel avec le président après 22 mois manifestation n'a goumé n'a prend gaz tout côté nous passer moun humilier nous yo blaser nous 22 mois manifestation n'a prend toute qualité humiliation famille nous abandonner nous gars pile dans mesdames la journée aujourd'hui à la même moun parents ont connait aider ou pas aider encore parce que ont dans organisation mais les filles de Jovenel jusqu'à présent mais pour voir 20 mois là vous voyez 20 mois jusqu'à présent nous pas gagné non mais nous mais journée aujourd'hui les filles de Jovenel nous prend la rue non seulement nous gagne papier nous non mais nous à l'école nous tout gagne diplôme nous là pas gagne nous une là qui pas gagne diplôme tout le monde gagne diplôme là nous pas jamais font appel avec nous nomination faite dans pays pas gagne une qui dit Alexandre bon deux trois mesdames non dans les filles de Jovenel pour nommer pour nous mon a sorti aux États-Unis vient nommer et puis ou même qui est en Haïti qui a passé misère qui a humilié propre gaz propre caoutchouc pour un président et aujourd'hui là nous venons là avec assiette, nous cuisons dans nous. Si nous ne pouvons pas travailler, si nous ne pouvons pas compter nous pour travailler chaque jour, comptez nous pas jeune manger pour mettre dans le bol nous. Il faut que le président dise un mot avec nous et faut que nous jeunes ça nous ait besoin nous-mêmes. Un autre colis piégé pour un autre symbole démocrate. Ce matin, c'est la société de production de Robert De Niro à New York qui a reçu un paquet avec un engin explosif. L'acteur est l'un des critiques les plus acerbes de Donald Trump.
Nouveau visé également, l'ancien vice-président Joe Biden dans sa maison du Delaware. Des colis tous similaires, papier Kraft, 6 timbres à l'effigie du drapeau américain et une adresse d'expéditeur factice, celle d'une députée démocrate. À l'intérieur, une bombe rudimentaire mais efficace, composée d'un tuyau rempli de poudre. Auparavant, les mêmes paquets avaient été envoyés à Hillary Clinton, au milliardaire George Soros et à CNN pour John Brennan, l'ancien patron de la CIA, au couple Obama, ainsi qu'à deux députés et à l'ancien ministre de la Justice, tous démocrates. Le président Donald Trump a, lui, comme à son habitude, pointé la responsabilité des médias. Les médias aussi ont leur responsabilité dans cette affaire. Ils doivent adopter un ton plus courtois et arrêter les hostilités permanentes et commentaires négatifs et souvent mensongers. Ils doivent arrêter ça. Le FBI est en charge de l'enquête et a prévenu que d'autres colis pourraient encore être en route. Le FBI a fait un point sur l'enquête sur ces paquets envoyés à plusieurs personnalités politiques comme Barack Obama. Un homme, César Sayoc, a été arrêté et inculpé pour 5 chefs d'inculpation. Il encourt jusqu'à 58 ans de prison. 13 engins explosifs ont été analysés. Chaque explosif contenait des tuyaux, un système de chronomètre, une batterie, des matériaux qui peuvent exploser. Il s'agissait vraiment de travail professionnel. D'après les analyses préliminaires, ce sont des empreintes digitales qui ont mis la police sur les traces des personnes coupables.